Eh bien salut à tous, c'est Super Léo et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est le LP, donc le LP QVDP et là on peut voir le fabuleux rayon du beacon et aussi deux choses que j'ai fait hors caméra cette semaine. Voilà, donc quand je m'embêtais le soir, hop, j'allais dans le Nether, je fermais des têtes de Wither et là j'en ai deux. Il m'en reste plus qu'une à avoir et je ferai ça de toute façon hors caméra, hein. Voilà, je ferai quand je m'embête, je vais dans le Nether, j'ai trouvé une forteresse encore mieux pour faire ça, où là c'est du spawn intensif, en fait j'ai eu ça en 2 heures, hein. Donc l'autre je l'aurai je pense en moins d'une demi-heure parce que là maintenant je connais super bien la forteresse, elle est trop top, donc voilà, et je voulais déjà vous dire ça parce que c'était important. Donc quand on en aura 3, on aura un projet à faire déjà. Donc sachez-le. Soit quand on en a 3, soit quand on en a 3, on fait un beacon. Soit on fait un truc secret. Parce qu'on aurait besoin d'un beacon au Nether. Ça serait bien. Enfin, ce serait pour tout le monde en fait. Mais bon, ce que j'aimerais dans ce cas-là, c'est que pour le Nether, hein, chacun cette semaine s'y mette et prenne chacun un crâne. Et après on fait un truc parce que sinon, enfin, voilà, fermer 3 crânes c'est super long. J'aimerais ne pas devoir le faire tout seul. Donc si je veux bien en donner un, mais bon, en donner 2, enfin voilà. Donc l'objectif du jour, déjà, c'est de faire une farm à canne à sugar. Donc à sugarcane, donc à canne à sucre, si vous voyez ce que je veux dire. Et bien sûr, je vais utiliser la vidéo du tuto. Que j'ai fait il n'y a pas longtemps, donc parce que c'est vraiment un système assez sympa. Bon, on va relier à ça un mass storage, donc un stockage de masse qui sera donc là-bas. Donc oui, on va s'installer dans la, je vous avais dit, hein, dans le tunnel des fermes auto. Voilà. Dans le tunnel des fermes auto, j'avais prévu de toute façon de faire ça là-dedans. Donc on va le faire là, soit là. Je pense, je sais pas, ça dépend en fait de la place qu'on a. Ok. Ouais, je pense le faire là. Ouais, ici. Je vais le faire ici, voilà. Ici, je ferai autre chose, un truc. Oh, j'ai une idée déjà. Mais j'ai des idées d'un coup comme ça parfois, ça m'arrive. Je sais pas qui c'est ce monsieur qui vient de se connecter. Donc là on est vraiment beaucoup sur le serveur. On n'est pas encore le week-end, on est un vendredi. Donc voilà. Il y a combien de golems ici? Ouais, il n'y en a pas beaucoup. Mais on va les tuer. Aïe. Donc on va faire ça juste là. Hop. Et donc on va faire un stockage de masse en même temps. Donc on va s'installer là. Voilà. J'ai pas emmené ma pioche. Hop. Pourquoi ça a pas cassé? Voilà, c'est bon. Donc on va, ouais, voilà, on va se mettre ici. Ici il y aura un petit truc sympatoche. Ici, tac tac. Où je vais mettre genre des cannes à sucre, hein, qui monteront ici et ici. Voilà. Comme ça, ça peut être sympa. Et on aura donc à ce niveau-là, je pense que j'aurai. Je sais pas, le stockage de masse, si je le fais... Non, je le ferai en dessous. Là, on aura bien l'interface avec les pistons, tac, tac. Je sais pas combien d'étages on va faire. Ça dépend. Déjà, je vais faire 2 côtés. Et... ou je sais pas. Je verrai. De toute façon, je vais voir, hein, suivant les matériaux que j'ai. Donc, une fois que j'ai tous les matériaux et que j'ai réfléchi à ça, de toute façon, on se retrouve. Je me demande si j'ai quelque chose d'autre à vous montrer. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Déjà, oui, je vais aller prendre le fer. Parce que... Alors, j'avais mis un hopper. Je m'étais dit, ouais, on va mettre un hopper comme ça au cas où si quelqu'un laisse la lame de lave allumée. Voilà, lui, il vient de spawner, lui. Hop. S'il y en a un qui laisse la lave de lame allumée, la lame de lave allumée, que au moins ça, les golems drop dans un truc. Mais est-ce que c'est qu'il y a un mec qui a pété le truc et qui a foutu de la cobble? J'ai pas trop compris pourquoi, je sais pas qui c'est, donc voilà, je peux rien dire. Hein. Mais voilà, pour l'instant on a ça. Et de toute façon, moi, à chaque fois que j'en vois. Vu que je vais en avoir besoin pour plus tard, j'en prends. Écoutez, je pense que j'ai le droit de faire ça. Écoutez, hein. La farm, c'est moi qui l'ai créé, hein. C'est Bibi qui l'a créé. Donc, autant prendre les blocs.
Voilà, là on fera ça à un autre moment. De toute façon, le temps qu'on va passer là, il y en a plein qui vont spawner. Je vous ferai un petit update, genre quand on en aura, genre peut-être voilà, une soixantaine, un truc comme ça sera top. Donc là on va partir là-bas, parce qu'en fait voilà, je vous dis, c'est en même temps c'est un let's play, parce que voilà on joue et tout, mais en même temps c'est un world tour, hein, parce que je vais montrer quand même les choses qu'on fait un peu les gens, c'est quand même sympa. Il y a des projets qui sont vraiment secrets, donc je peux pas les montrer, mais moi là ce que je voulais vous montrer c'est ça. Voilà, et il manque encore 3 cartes ici. Donc ici vous pouvez voir, hop hop hop, comment on peut se reconnaître. Déjà nous on est là. Voilà, on est là où il y a le petit point. Donc ça fait un peu un truc genre vous êtes ici. Donc nous on est juste ici. Alors ici il y a la station de minage automatisé. Là c'est la mairie avec le spawn que j'ai fait. Là c'est le TCS, là le bâtiment qui est là-bas là. Donc nous on est là. Là c'est une petite scène qu'ils ont fait là aussi. Là c'est la farm à golem. Là c'était... C'est quoi ça? C'est la maison d'Emshir. Là c'est la maison de Futurelka qui l'a pas fini. Là c'est les champs avec la serre. Là c'est la farm à moutons. La farm à vache. Ça y est, ça fait vraiment une vache de haut. Ouais. Là c'est la farm à melons. Qu'est-ce qu'on peut montrer d'autre? Là il y a CyberSDF qui est dans le coin là-bas, mais on n'ira pas le voir avant un moment parce qu'il a un petit truc qui fait. Là il y en a un autre qui habite là. Là on a Misaxage qui s'est foutu là-dedans. Ou là-dedans, je sais plus. Ici je sais pas ce que c'est. Si c'est le petit lac qui est à côté de chez nous. Là c'est un pont. Ici c'est chez moi. Là c'est mes écuries. Là c'est mon petit champ de carottes. Là c'est chez Mister. Là c'est chez Flo. Et là c'est le petit truc de Mister, hein, voilà. Et là-bas c'est la maison de Kaiser, la maison de Deepox, la maison de je sais plus, Kitty Star je crois. Et là c'est ma petite ferme. Ma ferme à quoi? C'est quoi déjà? Oui, la ferme à villageois. Et en fin de compte ici c'est la maison de Kiops qui est un peu coupée. C'est pour ça que d'ailleurs on va mettre les trois autres cartes ici, comme ça au moins on verra bien tout le monde. Et je trouve que ça rend vraiment bien depuis qu'ils ont mis les cartes comme ça. Et ça fait un peu genre... alors où va-t-on maintenant? Tac tac tic tac touc. Là, ferme à golem. Donc voilà, qu'est-ce que je peux update de... Donc ça c'est vraiment genre... je sais même pas si on le voit sur la carte. Le truc là. S'il est là. C'est le truc de Flo. De pas de Flo, de Zep qu'il a jamais fini. Donc bon, voilà. Donc maintenant il y a des panneaux dans la ville aussi, très important. Ça, ça commence à être bien. Là, il y a la vache qui a disparu. On sait pas pourquoi. Et là il y a le... D'ailleurs c'est quoi? Oui ça c'est un bug d'Optify, non. Et là il n'y a plus le zombie parce que c'est moi qui ai tué sans faire exprès. Mais bon voilà. Là c'est... Donc ce sera la future e-shop de Zep. Parce qu'il a envie de faire ça. Hein. Il fait ça dans tous les endroits où il va. Le TCS, hein, comme je vous ai montré. Il n'y a rien d'autre à montrer d'autre. Il n'y a rien d'autre à montrer de plus plutôt. Donc voilà. Et donc nous, on va se retrouver sur cette magie, sur cette cette vue peut-être de mon laser de beacon qu'on va voir de loin, peut-être, je ne sais pas. Beacon, montre-toi. Ouh, comme ça, voilà. Donc c'est chez nous, on est les seuls à en avoir, hein. C'est top. Là, on fait, on peut faire les mecs, hein, comme ça. Et donc on va... Ah là, c'était chez Zelwak, mais je sais pas si on voyait, si peut-être. Si. Ouais. Donc on se retrouvera tout à l'heure quand j'aurai tout ce qu'il me faut et que j'aurai bien réfléchi à la chose. Allez, à tout à l'heure. Et bien on se retrouve tout le monde dans le Nether. Et là je fais un truc hyper risqué, je sais pas si vous remarquez ça. Je suis avec le beacon et je me balade. Et là je vais jusqu'au biome Mesa, qui est normalement au bout de ce tunnel. Et, et c'est hyper dangereux. Je suis déjà mort une fois avec un beacon, donc je peux vous dire vraiment ce que c'est et que c'est vraiment horrible. Mais là, ouais, ouais, ça fait peur. Ça fait peur, ça fait peur. Surtout que j'ai même plus de bouffe. Je ne savais pas, il y a un ghast. Je suis dans la même merde. Malheur d'une force. Bon, non, ça va. Hop, normalement c'est au bout. Ah, je vais lui dire salut. Alors attendez. Salut. Allez, ça doit être là. Ouais, c'est. Des petits trucs et tout. Donc on va prendre, oui, donc pour la décoration, bien sûr, il nous faut
De la clay, donc je sais pas encore quelle couleur de clay prendre. Je m'étais dit du rouge, c'était sympa, mais en fait il y a plein d'autres couleurs assez bien dans le biome Mesa. Donc peut-être du jaune. Peut-être du jaune, je sais pas. Je sais pas, je sais pas encore. En tout cas, on va s'éloigner un peu du spawn du Mesa. Parce que le but c'est pas de tout péter déjà. Hein. Ok, de toute façon, on en refera un autre. Hein. Écoutez, enfin, on en retrouvera un autre hein, de biome Mesa, un de ces quatre. Hein. Mais ouais, le but là c'est vraiment de s'éloigner. J'ai pas envie non plus de détruire. Là il y a une maison sur ça, donc on va pas aller là. Mais donc je vais moi récupérer en caméra beaucoup de trucs. Alors, où est-ce que je peux aller pour récupérer tout ça? Un peu plus loin. Ah là-bas, il n'y a pas. Il n'y a pas ce qu'il faut par là. Ouais, bon, on va prendre là. Hein, est-ce que je vais en trouver par ici? Non, il n'y a rien là. Il n'y a rien, il n'y a rien. Là, je crois qu'ici, c'est un layer exprès. Là, il y a du... Au cas où je le teins en jaune, je me fais pas chier, vous savez quoi. Ouais, donc vous savez quoi, je vais poser mon beacon là. Voilà. Hop, on a juste à mettre 1, 2, 3, 1, 2. Hop, tac. Hop, le beacon avec à l'intérieur un lingot de fer. Et on va mettre haste. On va mettre haste pour aller un peu plus vite. Hein. Bien sûr, c'est pas non plus. Ouais, ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas Ace 2. Mais bon, écoutez. C'est déjà bien. Non, ça devrait apparaître dans quelques secondes. N'apparaît pas. Si, c'est bon. Donc là, on a Ace. Normalement, c'est censé aller un peu plus vite. Ah, bon, one shot, c'est bon. Ok, bon, one shot les blocs. C'était ce que je voulais. Hein. Ça, c'est assez emmerdant. Donc bon, voilà, je vous retrouve de toute façon dès que j'en ai assez. Là, je vous fais un petit. Un petit je sais pas si je vous mets un timelapse de moi qui est en train de récolter de la. Enfin, je vois pas l'utilité en fait. Non, vous savez quoi, je vais juste récolter ça. Vous savez quoi? Allez, on se retrouve après. Bien voilà, on se retrouve avec alors attendez, je cherche en fait le portail. Ah, il est là-bas. Ok, donc j'ai ramené. Hop, j'ai tout ça en on va dire quoi. 5 minutes. J'ai réussi à avoir tous ces blocs-là. Donc au moins de la clé jaune on en a beaucoup beaucoup. Ok. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais revenir à la base. Et une fois. Enfin à la base. Je vais revenir à la ville. Donc c'est le même chemin que tout à l'heure. Hein. Hop, c'est par là. Et une fois que je serai rentré. Donc on va commencer, j'ai amené tous les items. Bah, vous savez quoi, on va les rester en caméra. Hein. Hop hop hop. Donc voilà, faut faire super attention, ça me fait trop peur avec mon beacon là. J'ai pas encore d'ender chest, c'est pour ça. Mais bon, on en aura bientôt. S'il y avait un ghast, ce serait tellement horrible. Ou si ma souris, vous imaginez ma souris elle fonctionne plus pendant 2 secondes là. Tu fais non. Bon voilà, donc là maintenant on est plus en sécurité. Donc, que va-t-on faire? On va se jeter ici. Voilà. On va aller par là-bas. Je crois que c'est par là-bas en fait. Je suis pas sûr. Le chemin de sortie. Oui, c'est un peu le bordel en fait, notre Nether. Hein. Il y a des portails partout. Alors quand je dis partout, c'est vraiment partout. Ouais, c'est par là. Faut suivre les torches, suivons les torches. Bon bah vous savez quoi, on se retrouve. On se retrouve au tunnel des fermes, auto. Bon bah dans le chemin pour rentrer, regardez ce que je vois, un petit wither squelette. Donc autant essayer de se le faire. C'est jamais. Ah bah non. Y a rien eu. Salut toi. Hop, on va. Hop. Ouais, c'était juste pour vous montrer ça. Donc on va remonter, hop, allez. Bien, on se retrouve dans le tunnel, donc j'ai tout ce qu'il faut regarder dans ce coffre, comme vous pouvez voir, hop hop hop. Il y a tout ce qu'il faut pour faire la farm, et regardez, j'ai commencé à creuser.
Donc je creuse d'abord, donc c'est parce qu'on va faire un truc plutôt en hauteur, hein. Comme dans le tuto, on va faire la même farm que pour l'exemple, donc il y aura 3 étages, donc 6 6 côtés, enfin non, 6 bah, 6 nacelles on va dire. Et donc comme vous pouvez voir, ici ça va être l'endroit où il y aura les coffres, où tout sera stocké, et en bas il y aura les farms, donc je vais changer, j'étais en train de creuser là, donc ça va être... Bon, voilà, c'est pas très compliqué à faire, hop hop hop, juste à mettre une TNT. Donc j'en ai que 10, hein, je fais le mec, mais voilà comme ça. Donc il faut que je compte aussi pour les blocs, parce que il faut bien sûr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Par exemple là il fallait 14, donc hop, si on met ça, non il fallait 15, je veux dire. Et vu qu'on a 12 juste là, et que normalement ça creuse ça juste un carré, hop, on va être bien. Donc là, on a, comme vous pouvez voir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà. Donc on va devoir arriver ici. Et en largeur, ça va être une salle de... 21, je crois. Donc on va vraiment devoir beaucoup creuser, vu qu'en hauteur, ici, ça va être aussi creusé. Donc parce que la farm arrivera à, bah, jusqu'en haut presque. Donc voilà, donc on se retrouve une fois que toute la salle est creusée en entier. Et on commencera à faire le système. Allez, à tout à l'heure. Regardez-moi cette force. J'ai amené mon beacon parce que je me suis dit bon. Mec, sinon tu vas aller à 2 à l'heure. Donc j'ai amené mon beacon. Et là maintenant, c'est du one shot stone que je fais. Regardez la stone, on lui met un sort, c'est un truc de fou. Hop, c'est comme si on utilisait une efficiency 5 sur du sur de la dirt, hein, sur de la terre. Hop, on va, attendez, on va monter là. Ah ouais, il y a même eu des bugs tellement je vais tellement vite. Même avec une je pense avec une, je sais pas, avec ça. Oups, faut que je bouffe. Je pense que même avec une pelle. Ah non, je one shot presque avec une pelle en fer. Enfin, je one shot, ça c'est sûr, mais j'arrive pas à enchaîner les trucs. Mais regardez, c'est un truc de fou, hein. C'est un truc de dingue, regardez. Hop, on va faire ça. Hop, comment creuser vite. Voilà. Là, on veut creuser. C'est pas très compliqué. Bon allez, ce sera après. Et bien en fait on se retrouve après un petit moment. Je vais aller vous montrer comment. Enfin un peu, après un petit moment. C'est plutôt après quand même un assez long moment, parce que c'est le lendemain du jour où j'ai cassé la salle, où j'ai fait des trous dans la salle. Et là vous allez voir que c'est vraiment. Voilà. Donc voilà ce que j'ai fait. Là où il y a le beacon, s'il n'y a pas de clé, c'est tout simplement parce que c'est là où il y aura exactement en fait la farm. Donc je vais rien mettre en dessous, hein. Et normalement la farm sera totalement entourée par la clé jaune là qui est ici. Donc c'est top, ça rentre pile bien. Au début j'avais le beacon avec tous les étages, après j'ai juste mis ça comme ça au moins c'était cool. Mais voilà, donc la salle est faite, ça ressemble à ça, c'est assez sympa. Il y aura juste le haut à faire, mais alors ça je sais pas du tout comment je vais m'y prendre, donc bon. Ouais, je sais pas du tout pour ça, ça va être, je sais pas, on verra. Je verrai vraiment si j'ai une idée et tout, de toute façon ce sera fait avant la fin de l'épisode. Mais alors, je sais pas si je mets par exemple là, tout de suite, tac, comme ça, là on va mettre, mince. Genre mettre juste, voilà, des trucs comme ça, tac, tac, voilà. Et faire un toit tout plat comme ça, je sais pas, j'en sais rien du tout encore. Ou alors peut-être partir comme ça et faire un truc... Enfin, je sais pas. Je sais pas du tout. Mais en tout cas, là, comme ça rend assez bien. Et en fait, ici, hop, il y aura du storage là, là, là. Il y aura du storage partout. On va se faire ça un moment et tout. Et voilà, voilà. Donc, je voulais vous montrer ça. Mais de toute façon, là, je vais repartir pour continuer le système. Enfin, commencer le système. Et ça de toute façon, si vous voulez aller le voir, regardez mon tutoriel. Moi je vais pas vous... Je pense pas que je vais vous montrer comment je le fais, hein. Je vous montrerai une fois qu'il est fini.
Donc voilà, donc on se retrouve une fois que j'ai fait le système. Donc j'ai un petit peu avancé, j'ai commencé la structure de la ferme. Donc comme vous pouvez voir, ça rentre assez bien. On aura même la place pour faire un quatrième étage au cas où, hein. Je sais même pas si je le fais maintenant. Non, je pense que c'est très bien là déjà comme ça. Donc pour le plafond, bah, je sais pas encore ce qu'on va faire, mais bon, on verra, hein. Et de toute façon, ouais, je pense qu'on aura la place pour ajouter même, voire deux, peut-être deux étages et tout. Donc ce sera top. Mais comme vous avez pu voir, si vous avez vu le tutoriel, vous aurez pu voir que il faut aussi de la place de ce côté-là. Et bien, je n'avais pas prévu à cette place. Il me faut au moins 7 blocs, donc à partir de là, donc 1, 2. Et là, je vais faire encore un trou un peu plus gros. Donc je vais casser à partir de cet endroit-là. Donc ça, je vais l'enlever. Et je vais enlever aussi à partir de... Je réfléchis en fait, parce que je sais pas vraiment trop où est-ce que je vais casser. Je sais pas si je casse là ou si je casse avant, parce que... Hop, 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 hop. Non, je pense que je vais enlever là. Voilà. Est-ce que c'est que ça bloquera à cause de... ça fera moche avec ça. Donc... Ouais. Bah non, je vais enlever tout ça. Parce que de toute façon, il y aura un mur à cet endroit-là. Donc voilà, je vais enlever ça. Je vais enlever à partir... Donc ici, je vais peut-être juste faire dans ce cas-là un endroit pour... juste... Voilà, je vais enlever là, hein, écoutez. Voilà. Et tout ça va monter en hauteur. Donc on va reprendre tout le pattern. Donc avec ça, puis ça, puis ça. Vers l'intérieur et faire un peu une courbure et tout. Pour faire tout rentrer. Et ce sera normalement à... Alors là, ça fait 3, 4, 5, 6 et 7. Donc on ira à cet endroit-là. Donc avec le mur, ça fera 8. Voilà, donc on ira un peu loin. Mais bon voilà, c'est pour que le système soit bien mis là-dedans. Et après on verra comment on fait pour le storage. Pour le stockage, je veux dire, de toute cette canne à sucre. Parce que je sais pas encore comment je vais mettre ça. Donc on verra ça juste après. Donc je vous retrouve dès que j'ai un peu avancé sur ce problème-là. Eh bien, on se retrouve tout le monde avec le système enfin fini. Donc il est en mode de fonctionnement à ce moment-là. Il a déjà fait 2 tours. Donc il a pu récolter tout ce qui avait poussé depuis le début où j'avais planté les pousses. Et bien on se retrouve donc avec la machine enfin finie. Donc elle a déjà fait 2 tours, donc elle a pu récolter. Ici je l'avais désactivée et là elle va récolter donc, pour la première fois. Donc on va voir si ça fonctionne bien. Comme vous pouvez voir, voilà, ça a déjà un peu récolté les lignes et en face c'est pareil. Donc toutes les 2 minutes, je crois, elle s'active. Hein. Donc voilà, donc on va voir qu'elle va s'activer bientôt. Voilà. Et comme vous pouvez voir, ça fonctionne bien. Donc moi je lag un petit peu là, comme vous pouvez voir. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai un peu des problèmes de co. Donc comme vous pouvez voir, les pistons se rétractent facilement. Il n'y a pas trop de problèmes. C'est bien fait. Et hop, là ça récupère vraiment tout. Regardez, il y avait quelque chose, là il n'y a plus rien. Et là on va voir que ça se met là-dedans. Hop. Vas-y, tu te mets. Non. Donc ça met rien. Bah ça met, hein, vous inquiétez pas, hein, ça met, mais parfois ça. Les minecart hoppers gardent un peu le truc vu qu'ils sont sur un. Ils sont sur un. Sur un rail booster. Ce qui fait qu'il garde certaines choses. Bon, c'est un peu bizarre, mais ça fonctionne très très bien. Donc bah, je suis très content du système. Hein, écoutez. Voilà, ça c'est top. Après, bien sûr, il nous faut un stockage de masse. C'est très important. Parce que voilà, un petit coffre comme ça, ce sera jamais assez. Regardez ici aussi, ça a bien marché normalement. Voilà. Donc un stockage de masse, c'est vraiment important. Donc comme vous pouvez voir, hein, je ne vous avais pas montré tout à l'heure, mais le système, voilà, je l'ai encastré dans le mur, hein, c'est pas très compliqué. Et sinon, ah, il y a CBSDev qui va voir la ferme pour la première fois. Et sinon, bah, la pièce, hop hop hop, comme vous pouvez voir, j'en dis juste, hein, le rec, voilà, comme ça vous pouvez voir, donc ça fonctionne très très bien. Et là donc on s'est dit, il nous faut un stockage de masse, hein. Donc on va là je vais vous laisser et on va voir avec Cyber qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, bon,
J'ai des problèmes de connexion, je vous dis, hein. Je vois pas les skins des gens et moi je suis sûr que je me vois en mexicain, voilà. Donc bon, on va réfléchir sur comment stocker la canne à sucre en masse. Et voilà, et on se retrouve juste après. Eh bien les amis, on se retrouve enfin. Donc tout est terminé. Donc je voulais déjà vous montrer par rapport au pont principal. Il y a une herse qui est en train de se construire là-bas. Et en même temps, d'ailleurs, on va croire qu'elle a peut-être été déjà construite. On va aller voir ça tout de suite. Alors. Oui, il y a une herse, hein. Ça va être top. Ouais, elle doit être en train de se construire parce que je vois aucun bouton, donc aucune entrée possible. Donc on verra ça un peu plus tard, hein. On la testera et au cas où si elle n'est pas finie, bah on s'en occupera. Et donc on a fait un petit côté du pont, enfin les gens ont fait, parce que moi non, mais j'ai vu ça ce matin. Donc comme vous pouvez voir, hop, une petite entrée tranquille vers le tunnel des fermes auto. Donc j'ai pas enlevé mes coffres ici. Donc bon, voilà. Et là, la ferme est complètement terminée. Donc comme vous pouvez voir, ça fonctionne. Enfin, vous pouvez pas voir là parce que c'est pas encore parti. Mais la machine fonctionne très très bien. On a un bon rendu. Là, il y a que 8 trucs. Mais voilà, d'ailleurs, on va le prendre. Hop. Et là-bas, devrait en avoir aussi un peu. Toc 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 toc. On va voir. Voilà, 4. Donc là, il y en a que 10. Mais bon, ça en 5 minutes, ça peut aller. Donc on a ça et on a mis, donc j'ai fait des stockages de masse. Donc en fait on part du bas et hop, on monte. Et plus on stocke, plus les lampes vont s'allumer. Donc si on a les 8 lampes allumées, puisqu'il y en a là aussi, ça voudra dire qu'on aura déjà tout rempli. Et donc on pourra un peu, on verra si on stocke ça autre part à un autre moment. Mais bon, pour l'instant voilà, c'est pas utile. Et là c'est ce qu'on a récolté déjà depuis hier. Donc ça c'est un très bon rendu, voilà. J'attends de voir quand est-ce que la machine va se mettre en route. Donc le timer est maintenant en ce moment sur 5 minutes. Mais je vais le mettre à... Enfin un peu moins de 5 minutes, genre, je crois 3 minutes 50. Mais enfin c'est sur un truc genre 250 secondes quoi. Mais là je vais m'en occuper, je vais changer ça. Je vais mettre un timer de 25 minutes je pense, ou une demi-heure peut-être. Pour que c'est vraiment le temps de pousser. Parce que si ça a vraiment le temps de pousser, on peut avoir quand même bien plus... Enfin ça peut être bien plus efficace. Donc voilà, donc j'ai pas encore fait le plafond parce que voilà, donc là vous pouvez l'avoir en marche d'abord. Hop, ça fonctionne bien. Là normalement, regardez, là il y a du canne à sucre qui est là-bas. Il n'y a aucune perte, ça qui est vraiment top. Là vous pouvez voir, ça va se vider là-dedans quand les minecarts vont arriver, encore une fois. Voilà, là on en a un peu plus. Bon, voilà, c'est que 6, hein, mais c'est toujours ça. Donc voilà, et donc qu'est-ce que je veux dire, on n'a pas fait le plafond parce qu'il est possible qu'on rajoute quelques étages un jour ou l'autre, voilà. On peut rajouter je pense pareil, 3 étages hein, assez facilement. Enfin déjà 2 étages sans dépasser, puis après voilà. Donc dites-moi pour le dessus si vous trouvez ça bien. Dites-moi aussi si pour la salle vous trouvez que c'est une belle architecture. Donc j'y ai passé quand même beaucoup de temps, donc en fait j'ai fait ça en 24 heures. Donc voilà, vous pouvez voir c'est assez long, mais bon ça va, c'est tranquille. Et maintenant on va je vais juste aller vous montrer pourquoi. Enfin la ferme à faire, comment elle rend, est-ce que ça rend bien et tout. Parce que maintenant elle est quand même bien installée. Donc là vous pouvez voir, il y a masse de golems là. Attendez, il y en a combien? Il y en a 70 environ. Un truc comme ça. Ouais. Donc voilà. Et là c'est toujours la salle. Donc attendez, on va les tuer, on va voir combien ça nous donne. Waouh, c'est du bruit. Hein. Donc hop, là on a 64-29, il n'y a rien dedans parce que bon voilà, les gens servent, hein, normal, hein, je comprends tout à fait. Voilà, les gens servent, voilà, donc là ça produit quand même assez bien. Donc là on a presque ouais, 4 stacks de fer. Donc c'est top. Là on peut presque se faire, je pense. Non. Voilà, hop, tac. C'est bien. Donc ça produit bien, hein, voilà, on n'est pas encore fait pour l'Iron Foundry. D'ailleurs, en parlant de l'Iron Foundry, donc la ferme, la café à pierre, hein, si vous voulez savoir, il y a un petit problème, c'est qu'en 1.8, elle ne fonctionne pas pour le moment. Il n'y a aucun fixe pour l'1.8, donc Tangotech, le créateur du système, est un peu emmerdé, entre guillemets, et essaye de bosser sur un nouveau design. Mais ce qu'il y a, c'est que ça a vraiment changé pour l'1.8, la façon de...
pour les villageois de se comporter, donc voilà, donc c'est un petit problème pour le moment. Mais bon, j'espère que ça va passer. Donc je pense qu'on va s'arrêter là. Excusez pour le bâillement. Je pense qu'on va s'arrêter là. Notre objectif du jour est bien accompli. Et on se retrouvera pour le prochain épisode. Je sais pas encore ce que je vais faire, mais voilà. Donc c'est tout. C'était super Léo. Et j'espère que vous avez aimé tout cet épisode. Allez, ciao tout le monde.